Hello, Facebook friends and everyone. I'm with Esther Perel. We're here to welcome you this evening. See if you can see us here. Looks like on my phone I can see us okay. Esther, you may want to adjust your camera down just a little bit so we can, beautiful. There we go. Can everyone out there hear us okay? Let's see who is out here. We're delighted to be with you this evening. On va parler en fait en français ce soir, mais ceux qui sont là avec nous, qui comprennent l'anglais ou pas beaucoup de français, on va essayer de fournir ça peut-être après avec une version sous-titrée, on verra. En tout cas, on va vérifier ensemble si vous pouvez nous entendre bien. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien? Je crois qu'il y a 40 personnes qui sont là. Est-ce que vous nous entendez bien? Alors, je regarde. Tiens, parlez un petit peu, Esther, justement. Justement, je te corrige ton français. Je te dis, est-ce que vous nous entendez bien, pas bien? Ah, d'accord. je pense que c'est bon. On va voir. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Il y a 40 personnes qui sont là. Est-ce que vous nous entendez? D'accord, on entend bien. On a des gens qui entendent bien. Très bien. Il y a Ronnie Turiaf qui dit « entend bien ». Daniel Ambo. How do we get it in English? We will translate as best as we can, but we did say that this one would be primarily in French. D'accord, on entend bien. OK, super. On va laisser quelques minutes, peut-être deux minutes là pour que les gens, d'autres gens rejoignent. Et bienvenue déjà. Où est-ce que vous êtes, vous, en France, aujourd'hui ou ailleurs? Où est-ce que vous nous joindrez? D'où? Est-ce que vous êtes à Paris, en province? Where are you joining us from? The question is, where are you located? Where do we find you? Since this digital means, you know, crosses borders and geographies, we're trying to make it more palpable. So where are you, is the question. Los Angeles. Wow. Not very fluent in French. En français, à Los Angeles, c'est bien. Yeah. How do I get it in English, Robin? We will try to speak English and French. Chicago. Bonjour, Chicago. Larissa Raleigh. Bienvenue. D'Italie, Antonia Bonito. Bienvenue. Sympathique, d'Italie, Chicago, Los Angeles. Moi, je suis à New York. Düsseldorf, Genève. Polonaise en Allemagne. Detroit, Michigan. Bienvenue. Lango. En région parisienne, Nashville, Elizabeth Liu. Super. Narbonne, salut Lola. Tu connais tout le monde, David? Non, je ne connais pas tout le monde, mais Boston, Nadia. Je ne connais pas Nadia. Bienvenue, Nadia. Swedish translation, no, sorry. No Swedish. Sheda. Serena, bienvenue d'Espagne. C'est bien. Beaucoup de gens qui parlent français, c'est bien ça. Ok, super. Tu veux que je me traduise un petit peu chaque fois? Je sais faire ça assez rapidement, mais ça dépendra de la complexité des questions. It depends how complex your questions are. Oui, voilà. On va voir comment. But let me just say, for those who want English, that you, of course, can find the books in English, the TED Talks in English, the new talk at South by Southwest on YouTube, SXSW. In English, my website primarily in English, my YouTube clips in English. So the English speaking people are actually quite well served. So I am going to favor the French speaking ones for today, just so that you can once hear me, not in translation. Okay, super. Je vais juste demander si je peux à Esther de bouger un tout petit peu à gauche. À gauche, par là. À l'autre sens, pardon, à droite. Par là, ouais. Voilà, c'est super. Puis peut-être la caméra regardes... encore un petit peu plus. Ouais, tu veux que tu regardes là ou là? Ouais. Vers le haut ou vers le bas? Là, c'est bien. Et là, c'est bien.
Voilà, ça c'est bien. Oups. Ah, c'est parfait. Ouais. Voilà, c'est bien pour vous tout le monde. Salut, Christelle est là. Laurel Herman est là. Shada Fati est là. Bienvenue, Heather McLeod. Pas de problème. Super, merci Heather. On a 50 personnes qui sont là avec nous. Donc peut-être nous allons commencer, Esther. Qu'est-ce que tu en penses? On y va. On y va. Alors, je voulais commencer avec une petite introduction, si tu me permets. Pour commencer aujourd'hui avec toi. Déjà, je suis ravi de passer ce moment intime avec toi et tous les autres. Bienvenue tout le monde. Pour ceux qui ne connaissent pas Esther Perel, je voulais juste raconter un tout petit peu et Esther pourrait ajouter, améliorer ce que je raconte, mais j'espère que je vais bien faire pour parler de toi, ma chère. Donc, Esther Perel est psychothérapeute. Elle est un New York Times best-selling auteur. Elle parle 9 langues. Elle est conférencière professionnelle avec des TEDx. Je ne sais pas si c'est 2 ou 3, peut-être 2. Ce n'est pas des X, c'est des TED. C'est des TED, c'est vrai. C'est des TED sur la vraie scène des TED. Tout à fait. Grande nuance, très important. Et ils ont 20 millions de vues. C'est Talk TED, hautement conseillé d'aller le voir. Elle est aussi la productrice exécutive et hôte avec son propre podcast original qui s'appelle « Where should we begin ?»« Où devons-nous commencer ?» Et qui sont des séances de thérapie de couple enregistrées justement ici, dans mon cabinet, live. Ce sont des séances de 3 heures. Sur divers thèmes que je rédige, enfin que j'édite pour raccourcir, mais pour le reste c'est du littéral, ça n'a jamais été fait et c'est une invitation à rentrer dans l'intimité d'un autre couple pour en fait pouvoir se retrouver devant son propre miroir. Magnifique. Magnifique. Alors, ce qui m'a toujours fasciné chez toi, Esther, c'est cette phrase qui figure sur ton site web. Et je traduis là de l'anglais, c'est « La qualité de nos relations détermine la qualité de nos vies. » Oui. Je crois que la connexion humaine est transformative dans sa pouvoir de tous les aspects de nos vies. Et j'adore et je rejoins totalement cette phraseologie. Alors, en parlant de ton livre qui sort, je crois, demain en France, c'est ça? Le 5 avril. C'est demain. Ouais! Donc, on est un petit peu en avance. Dès sa parution, Je t'aime, je te trompe. Donc, le titre de livre qui sort demain. Attends. Qui est en anglais s'appelle The State of Affairs. Sort demain en France. Ah ben voilà, on va avoir une couverture pour montrer. Je viens de recevoir. Ah, c'est chouette, c'est exclusif. Ici, une exclusive. Premier à le voir. La version française, magnifique. C'est arrivé ce matin. Ça, c'est la version alors, française. Alors, quelques cœurs, s'il vous plaît, pour celui-là. Quelques cœurs. Alors, dès sa parution, Je t'aime, je te trompe, qui sort demain en France, est entré directement dans la liste best-seller de New York Times aux États-Unis. Il est déjà traduit dans 24 pays, c'est ça, Esther? On est à 32. En 32 pays, voilà, c'était un mouvement génial. Il est en train d'être traduit. Il y a 32 commandes de traduction. Ouais, c'est assez extraordinaire. C'est exceptionnel. Alors, le seul problème, c'est que tu ne parles que 9 langues. Donc, je pense que tu as besoin d'apprendre un peu davantage de langues. J'espère que c'est plus que 9 pays. Mais l'espagnol couvre quelques pays déjà, le français aussi. Excellent. Alors, ce livre traque la trajectoire du désir quand ça part ailleurs. Ce livre va bien au-delà des liaisons en explorant nos attentes, ce qu'on pense qu'on veut et ce qu'on croit qu'il nous est dû. C'est un traité audacieux sur l'infidélité pour comprendre la complexité de chaque individu face au couple, à l'amour et au désir. Non, l'adultère n'est pas toujours le signe d'un couple qui ne fonctionne pas.
Alors, ce livre est aussi le coup de cœur de Psychologie Magazine, publié en France par Robert Laffer. Et encore une fois, ça sort demain. Et aujourd'hui, on va en parler en avance. C'est génial. Donc, bienvenue, Esther, ici sur ma page Facebook, avec tout le monde qui sont là avec nous. On est 48 personnes en live. Bienvenue, Minter. Bonjour, Larissa. Salut, Guillaume Rovert. Bob Donnell, bonjour. Larissa Rollet, bienvenue. Viara Dietrich, bienvenue de San Francisco. C'est super. Alors, tu es profondément impliqué dans la fusion et le mélange des cultures, des gens, des religions, d'interraces. Tu es interculturel, tu es intercouple, interpartenaire, interrationnel, relationnel, etc. Tu es au centre de ces négociations et conversations très complexes en nous et entre nous que nous pouvons faire pour vivre plus en harmonie, se comprendre, s'accepter, se soutenir et communiquer et vivre mieux ensemble. Et tu as un magnifique don à simplifier tout ça pour nous dans tes talks, tes podcasts, tes livres, etc. Alors, qu'est-ce qui est être infidèle aujourd'hui? Et quels sont les motifs et le sens de nos infidélités? Alors, d'abord, merci pour cette très belle introduction et bonjour à tous. Je viens à Paris la semaine prochaine. Donc, il y aura d'autres occasions encore pour se voir et pour parler ensemble. En fait, j'avais écrit un premier livre sur les dilemmes du désir au sein du couple d'aujourd'hui, du couple romantique, du modèle occidental du couple. Et c'est vrai que je suis ethnopsychologue à la base, donc je me suis toujours intéressée au triangle culture, relation, sexualité. Et quelle est l'intersectionnalité et l'intersection entre ces trois dimensions? Comment est-ce que la culture influence les messages relationnels, le rapport des genres, le rapport de force, la place de l'individu dans la société, etc. Comment est-ce que ça se reflète par rapport à la sexualité qui est quand même une des fenêtres les plus fantastiques pour étudier une culture, son côté le plus archaïque et le plus traditionnel et le plus ancré, et aussi son côté le plus radical, le plus transformateur, le plus progressiste. On peut vraiment voir les changements d'une culture, d'une civilisation à travers son rapport à la sexualité, qui est aussi son rapport aux femmes, son rapport au corps, son rapport au plaisir, etc. Et j'ai ensuite continué cette recherche. Donc mon premier livre s'appelait « L'intelligence érotique ». Et ensuite, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe quand le désir va voir ailleurs, en fait? Et à partir de 2009, j'ai commencé à travers le monde à faire cette recherche sur l'infidélité et sur que représente l'infidélité aujourd'hui. Parce qu'en fait, on utilise certains mots, mariage, couple, adultère ou infidélité, sexualité, monogamie, genre. Mais en fait, ces mots qui sont les mêmes mots ont un sens complètement différent aujourd'hui. Il n'y a pas aucun de ces termes n'a gardé le même sens dans les 100 dernières années. C'est fantastique. C'est une vraie révolution, pas seulement linguistique, mais culturelle et de vie. Qu'est-ce que ça représente le couple aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on attend de ce couple aujourd'hui? La monogamie, qu'est-ce qu'elle veut dire aujourd'hui? Elle a toujours voulu dire une personne pour la vie et aujourd'hui, elle veut dire une personne à la fois. L'infidélité n'a jamais rien eu à voir avec l'amour pendant toute l'histoire. Et aujourd'hui, c'est vraiment le fracas de l'ambition du grand amour romantique. C'est la destruction de cet idéal romantique. L'infidélité, avant, on savait qu'elle avait lieu parce que quelqu'un avait un enfant 9 mois plus tard et que cet enfant avait une couleur de cheveux qui ne ressemblait pas aux parents. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est le fait qu'on reste
secrètement actif sur ces applications, quand on voit déjà quelqu'un, qu'on est en contact avec des ex par Facebook, qu'on va voir faire des massages avec finition, qu'on passe son temps 6 heures par jour ou 4 heures par jour tous les jours plutôt sur son écran et sur le porno qu'avec son partenaire, qu'on a une relation amoureuse, qu'on a une passade d'une nuit, c'est où? Et comme voilà le grand changement qui a eu lieu, c'est que pendant toute l'histoire, les relations étaient codifiées. Chacun savait où était sa place, les règles étaient claires, on savait ce qu'il fallait dire et ce qu'il fallait faire. Et qu'aujourd'hui, rien n'est évident. Tous ces repères relationnels ont bougé. Ce n'est plus évident qui va travailler et qui va ramener l'argent, qui va se lever la nuit pour élever les enfants, pour nourrir les enfants, qui a le droit d'imposer ses besoins sexuels, qui a le droit d'aller voir ailleurs et qui ne peut pas. Ça n'a jamais été une expérience de rapport égaux, l'infidélité. Le prix à payer pour une femme a toujours été bien au-delà du petit prix qu'ont payé en général les hommes, etc. Et donc, l'infidélité aujourd'hui, c'est une négociation, c'est le couple en fait qui se doit d'en parler tôt, quelles sont nos frontières, comment est-ce qu'on définit la loyauté dans le couple, qu'est-ce qu'on attend de notre engagement, quelle est la différence entre fidélité et loyauté et dans quelle mesure est-ce qu'on définit la monogamie principalement par son exclusivité sexuelle. Et dans quelle mesure est-ce qu'on définit notre monogamie plutôt par un contrat d'engagement primaire, primordial, affectif et émotionnel d'abord et peut-être sexuel ensuite? Et tous ces termes aujourd'hui ne peuvent trouver de sens qu'à travers la conversation qui est au cœur des relations d'aujourd'hui. C'est la conversation. C'est plus les règles, c'est la négociation et la conversation. D'accord, fabuleux. Alors, et comment peut-on tromper quelqu'un quand on est dans une relation où on est bien, où ça marche bien? Quelles sont les raisons de... Pourquoi est-ce qu'on... Ailleurs. Mais tu vois, David, on a une logique aujourd'hui. La logique aujourd'hui, c'est, puisque je me mets en couple avec par choix, je ne suis plus dans un modèle arrangé. J'ai l'occasion de vivre 1 an, 2 ans, 3 ans avec cette personne avant même de commencer un projet de vie ensemble ou de mariage, si au cas où on passe encore par le mariage. Puisque j'ai eu d'autres partenaires avant et que je te choisis au-delà de tous les autres, puisque pour toi j'ai effacé mes applications et que je ne suis plus dans un cas où je me demande qui d'autre est-ce que je peux encore voir, ce qu'on appelle en anglais a case of FOMO, fear of missed opportunity. Voilà. Donc quelque et qu'en plus je te choisis 10 ans plus tard qu'il y a 20 ans. Donc je n'ai pas 22 ans aujourd'hui, j'ai 32 ans ou 28, 29, 32 aujourd'hui. Donc quand je te choisis, j'ai l'impression de t'avoir choisi avec diligence, avec recherche. Je te choisis pas pour commencer à grandir ensemble, je te choisis par reconnaissance de qui je suis et de qui tu es au plus profond et au plus authentique de ce qu'on est chacun. Donc c'est un choix qui est complètement différent. Et quand il y a infidélité, l'idée, c'est que si on a tout ce qu'on veut chez soi, il n'y a aucune raison d'aller voir ailleurs. Donc, si on va voir ailleurs, c'est que d'office, il manque quelque chose chez soi. Parce que cet idéal aujourd'hui, c'est qu'on trouve dans une personne tout et qu'une relation peut assouvir tous nos besoins dans un couple qui est souvent beaucoup plus isolé qu'il n'a jamais été auparavant. Personne ne sait ce qui se passe vraiment dans le couple des autres. C'est vraiment le grand secret. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait le podcast, parce que je me suis dit que c'est pas possible, que chacun se demande est-ce qu'on est les seuls, est-ce que ça n'arrive que chez nous. Et pas seulement au niveau de l'infidélité, je dis en général la vie du couple. Donc d'office, on a une théorie du symptôme. Si ça se passe, c'est qu'il y a un problème. Et le problème a fait que quelqu'un est allé voir ailleurs. Parce que si on avait tout chez soi, on n'aurait pas eu ce besoin. Or, quelque part, moi, ce que j'ai vraiment appris à travers tous ces pays, ces milliers de lettres que j'ai reçues, etc., c'est que souvent, en fait, l'infidélité a lieu même dans des couples qui sont satisfaits, qui vivent bien, qui n'ont aucune envie de se séparer. Parce que ceux qui sont pas bien, ils se séparent. Donc, la question, c'est pourquoi?
Avant, on trompait parce qu'on n'avait pas d'issue, qu'une fois qu'on était en couple, on était coincé pour la vie. Aujourd'hui, qu'on peut partir, qu'on peut quitter, qu'on peut se séparer, qu'on peut se divorcer, pourquoi est-ce que les gens trompent encore? Et donc, quelque part, la notion est, si vraiment ça va mal, c'est qu'ils se séparent. Donc, ce que j'ai vraiment appris, c'est que les gens me disaient, je suis pas allée voir ailleurs parce que je voulais trouver quelqu'un d'autre, mais je suis allée voir ailleurs parce que je voulais retrouver des parties de moi-même que j'avais perdues, parce que je voulais aller trouver un autre moi, pas un autre partenaire, pas que je voulais quitter la personne avec qui j'étais, mais je voulais quitter la personne que je suis moi-même devenue. Mmh. Et ce langage-là a ouvert une toute autre porte qui n'était pas le « il manque quelque chose dans le couple et c'est pour ça qu'on va ailleurs ». Et parfois, il manque quelque chose en moi et c'est plus souvent une question individuelle qu'une question uniquement relationnelle. Celle-là, elle existe aussi, mais celle-là, elle a déjà été décrite et j'ai pas besoin d'ajouter un autre livre sur ce qui a déjà été dit. Donc, je suis allée écrire un livre sur ce qui n'a pas été dit, sur ce qu'on ne connaît pas, sur ce qui est moins évident, mais beaucoup plus vrai souvent. L'infidélité est souvent traitée comme il y a un bon et il y a un mauvais, il y a un méchant et il y a un gentil, il y a un saint et il y a un pécheur. C'est beaucoup plus compliqué que du blanc et du noir, que du bon et du mauvais. L'infidélité, si je demande à 4000 personnes la semaine dernière à un congrès de lever leurs mains s'ils ont été touchés par le sujet, soit parce qu'ils étaient un enfant dont le parent est parti avec quelqu'un d'autre ou a trompé, soit puisqu'ils sont eux-mêmes l'enfant issu d'une liaison ou d'un amour illicite ou illégitime, soit parce qu'ils sont l'ami sur lequel quelqu'un vers lequel quelqu'un vient se confier, ou celui qui est le témoin, le complice de l'infidélité d'autre, ou soit parce qu'ils sont un des trois protagonistes, à peu près 90% des gens vont lever le doigt. Et donc, l'infidélité, elle est systémique, elle est intergénérationnelle, elle ne touche pas uniquement deux personnes ou trois personnes. Elle est fondamentale dans notre société et dans le vécu des familles. Et on se doit de la comprendre et de lui rendre la complexité qu'elle a. Et d'aider les gens qui sont dans la douleur de tout ça et à tous les niveaux de toutes les générations. Et pas juste simplifier tout ça et faire de ça un truc de première page des comment est-ce qu'on appelle ça en français, tabloids. Tabloids, oui. Comment tu dis en français tabloids? Les tabloids. Les journaux à sensation, quoi. Enfin, je veux dire, les scandales. Ouais. De faire de ça des scandales, que c'est ouais. Beaucoup plus compliqué, beaucoup plus douloureux, beaucoup plus difficile à gérer souvent, et que c'est pas du tout simple. Et c'est ça que je voulais rendre à cette expérience, parce que quand on écoute les gens, ils nous racontent des histoires qui ne sont pas simples. Et ça, on ne le trouve pas dans les statistiques. Ouais. On n'a pas beaucoup de ces journaux-là en France, je pense, un petit peu moins peut-être dans certains pays. Alors, est-ce que tu as l'impression, dans ton expérience, qu'il y a une différence dans cette histoire du trompé en France par rapport à d'autres pays? Est-ce que la France est plus mûre, mature, moins mûre, moins mature? Est-ce que ça se calcule pas de cet registre-là? Bon, j'ai écrit tout un passage dans mon livre sur pour la France. Ouais. Écoute, j'ai écrit tout un passage parce que les Américains, évidemment, sont souvent assez fantasmagoriques par rapport aux Français qui pensent que sans France, tout le monde trompe et ça fait partie de la vie. Je pense pas que ce soit du tout comme ça. Je pense que ça ne fait pas moins mal aux Français qu'aux Américains quand on est trompé. Je pense que les Américains ne trompent pas moins que les Français. Ils se sentent simplement plus coupables. C'est pas parce qu'ils sont plus puritains qu'ils trompent moins. Donc, c'est pas du tout là que ça se joue. S'il y a une différence, je pense que la grande différence est que le sujet est traité de façon plus morale aux États-Unis et elle est traitée de façon plus relationnelle en France. C'est la différence entre « it's wrong » and it's hurtful. Il n'y a pas autant le côté moral de la chose. Il y a le côté relationnel. C'est une douleur de relation et pas une crise uniquement au niveau moral. Et je crois que c'est là où se joue la grande différence. Ici,
Est-ce que tu veux qu'on regarde un petit peu les questions que les gens nous envoient ici aussi? Je sais que les gens postent un peu des questions, ouais. Donc est-ce que tu le vois? Pensez-vous qu'on continuera de tromper, quelles que soient les évolutions de la société? Oui, je pense que oui. Je pense que la transgression est un petit peu quelque chose qui fait partie de la nature humaine. Briser les règles, même si ce sont les règles qu'on s'est soi-même établies, même si ce sont les règles qu'on s'est promis de ne jamais enfreindre, je crois que parfois qu'il y a quelque chose dans la transgression qui fait partie de la nature. Et je vois que dans toutes les sociétés, et ça c'est Helen Fisher, l'anthropologue, qui l'a étudié, elle a étudié 43 sociétés traditionnelles et modernes, il y a l'infidélité partout. Dans tous les systèmes, il y a l'adultère. Ça fait partie de tout temps et de tout modèle. Il y a de la tromperie dans les couples non monogames, même s'ils sont consensuellement ouverts, parfois aussi parce que justement, il y a quelque chose dans le briser les règles qui va au-delà de la permission qu'on peut avoir. Je pense que le problème est déjà dans le mot tromper. Est-ce que transgresser fait partie de tous les systèmes? Je dirais oui. Tromper est déjà un terme qui est rempli de sens, quoi. Ça, c'est ça aussi. Et ensuite, il y a encore une question. Pourquoi cherche-t-on la fidélité et est-ce qu'on est malheureux quand on la perd? Mais on cherche la fidélité parce que quelque part, d'abord, avant, on cherchait la fidélité parce qu'on avait besoin de savoir de qui sont ses enfants. C'était une question de patrimoine et d'ascendance. Donc, le sens de la fidélité a toujours changé. D'ailleurs, la fidélité était imposée particulièrement aux femmes et pas aux hommes. Il y a toujours 9 pays aujourd'hui où on peut lapider une femme rien que parce qu'elle a été, les yeux sont partis dans le mauvais sens. Donc, même s'il ne s'est rien passé de vraiment concret, les conséquences n'ont jamais été les mêmes. Pourquoi est-ce qu'on veut la fidélité aujourd'hui? Parce que si tu me choisis, après 15 ans de nomadisme, après 15 ans de vie relationnelle avec plein, et que je suis cette personne choisie, j'attends aujourd'hui dans l'amour romantique d'être unique, irremplaçable et indispensable. Et quand tu vas voir ailleurs, c'est que je perds ce côté unique. Je ne suis plus le seul ou la seule. Je ne suis plus la personne choisie. Je ne suis plus celle ou celui pour lequel tu as laissé tous les autres. Ça fait partie de cet idéal romantique. Ceux qui négocient des rapports moins stricts, moins exclusifs, essayent de donner à l'engagement affectif le fait que tu es le seul, le premier, celui vers lequel je me tourne en premier, sans que la fidélité soit définie principalement comme exclusivité sexuelle. Donc, je sépare fidélité et exclusivité. En général, on les a définis comme si c'était one and the same. Alors, on a une autre question de Guillaume Poudourou. Ouais, est-ce qu'il faut toujours dire la vérité? La vérité qu'on en a trompé. Bonne question. C'est la grande question. Parce que le secret est au cœur de l'infidélité. L'infidélité est définie principalement par le secret. C'est l'élément constitutif d'une infidélité. Dans un couple qui est ouvert, où c'est accepté et que ce n'est pas un secret, il n'y a pas d'infidélité. Donc, c'est le secret qui est au cœur de l'infidélité. C'est la structure même de l'infidélité, pour commencer. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on veut dire? J'ai aimé quelqu'un d'autre, j'ai couché avec quelqu'un d'autre, j'ai eu une passade, j'ai eu envie de quelqu'un d'autre, mais je me suis retenue. Qu'est-ce qu'on essaie de dire? Donc, qu'est-ce qu'on veut révéler? Moi, je pense que ce qui est important, c'est le sens plus que les faits. Qu'est-ce que ça veut dire si j'ai eu du désir pour quelqu'un d'autre? Ça veut dire que je suis encore jeune et que j'ai encore plein d'envie? Ou ça veut dire que je n'en ai plus pour toi? Ou ça veut dire que j'aimerais en avoir plus pour toi? Ou qu'il en manque entre nous? Je veux dire, quel est le sens de cette phrase? Ça, c'est beaucoup plus important que j'ai payé quelqu'un, j'ai passé une nuit avec quelqu'un, j'ai passé une nuit à avoir envie de quelqu'un, mais je ne me suis pas autorisée. Je pense que quand on pose la question, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut se demander, qu'est-ce qu'on veut dire avec ce qu'on dit? Quel est le message
qui est dans les mots que j'essaye de dire? Et ensuite, quelles seront les conséquences de ce que je vais dire? Est-ce que je cherche quelque chose de bien? Ou est-ce que j'essaye uniquement d'avoir de la, une confession? Est-ce que j'essaye de me sentir moins coupable et je le fais beaucoup plus pour moi que pour toi? Et j'essaye de me libérer de mon fardeau, mais je le mets dans tes genoux? Je veux dire, c'est, il faut, avant de parler, il faut vraiment se poser quelques bonnes questions. Parce que les conséquences ne sont pas toujours bonnes et elles sont pas toujours aussi magnanimes et aussi altruistes et aussi pour le bon, le bien de l'autre qu'on veut bien le faire croire. Bravo. Alors, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous passez un bon moment avec Esther Perel aujourd'hui, ce soir? Elle est à New York, elle sera à Paris la semaine prochaine. On va vous donner un peu plus de détails à la fin. Donc, restez avec nous. Si vous avez d'autres questions, postez-le. On a de super questions qui touchent vraiment le cœur du sujet. Je vois que Ronnie Turiaf a une question de Los Angeles. Alors, quel est le meilleur conseil que l'on vous a donné? Le meilleur conseil qu'on m'a donné, moi, à moi? Oui. Sur quel sujet? Sur quel sujet? Sur quel sujet, Ronnie? Sur l'infidélité ou sur la relation de couple? Comment on fait durer le couple? On va attendre ce qu'il va nous répondre. Pourquoi la jalousie existe-t-elle si l'être humain n'est pas naturellement fidèle? Quel est le meilleur conseil que l'on vous a donné? Alors, je vais prendre d'abord celle de Laurence. J'ai écrit tout un chapitre sur la jalousie dans le livre. La jalousie qui est une rage érotique, en fait. La jalousie qui est intrinsèque à l'amour. Alors, c'est une question. Pas tout le monde n'est jaloux de la même façon. Pas tout le monde a le même degré de jalousie. Pas tout le monde a le même besoin d'être de primer, mais c'est une émotion qui fait partie de l'amour. Il y a pour certaines personnes plus de possessivité dans l'amour que pour d'autres. Il y a le fait que c'est quelque chose que j'attends que tu aies avec moi, surtout dans l'amour romantique. On nous dit souvent, mais si on peut aimer plusieurs enfants, pourquoi est-ce qu'on peut pas aimer plusieurs personnes? Mais on peut aimer plusieurs personnes. Et on peut aimer plusieurs personnes tout en étant jaloux dans ces relations aussi. Je pense que la jalousie a reçu une connotation assez négative ces dernières années. On se doit de ne pas être jaloux. Si on est progressiste, on n'est pas jaloux. On est dans le share economy, que ce soit Airbnb ou mes partenaires. Non, la jalousie est quelque part aussi quelque chose qui fait que je ne me laisse pas aller parce que justement, je sais qu'il peut y en avoir d'autres. Donc, il y a plusieurs façons de vivre cette jalousie. Mmh. Parfois, elle est pathologique, elle est destructrice et elle est étouffante. Mmh. Mais parfois, elle dit tout simplement, ton partenaire, il t'appartient pas. Tu l'as, comme on dit très bien en anglais, you have your partner on loan and you have an option to renew, but your partner does not belong to you. Et j'aime beaucoup cette phrase. C'est-à-dire que si tu veux garder l'autre, il faut que tu l'engages. Pas qu'il ait un gage, mais que tu l'engages, que tu sois actif dans ta relation, que tu restes attentif à ton couple, que tu ne le prennes pas comme quelque chose d'acquis. De la même manière que tu ne prends pas pour acquis ton corps, tu continues à le protéger, à le nourrir, à faire du sport, à le maintenir, parce que tu sais que sinon, il s'atrophie. Mais un couple, une relation, c'est la même chose. Ça demande de l'eau, de l'exercice, de l'attention, etc. Donc, la jalousie, elle existe. Et je dirais aussi autre chose, l'être humain n'est pas naturellement fidèle, ça n'a aucune importance. La fidélité n'est pas vue comme quelque chose de naturel, c'est vu comme quelque chose de culturel, de social. De la même manière que partager n'est pas toujours naturel. Souvent, on veut garder les choses pour soi. Pourtant, on nous apprend dès qu'on est tout petit à partager des choses, à penser aux autres. Cela ne nous vient pas naturellement de penser aux autres. Ça fait partie de notre socialisation. Donc moi, le terme naturel, je pense qu'il est, il est parfois utilisé de façon peut-être un peu incorrecte. Il y a des choses qu'on vit parce qu'elles font partie de notre structure sociale. Il y a des gens qui sont plus portés vers la fidélité et d'autres et vers l'exclusivité et d'autres qui le sont moins pour multiples raisons de personnalité, d'histoire de leur enfance, de traumatisme, de plein de choses. Mais
Il est clair que la monogamie n'est pas naturelle. C'est un système social qui a été au départ fait pour protéger une économie de terre, de tout ça. Et aujourd'hui, elle est pour protéger une économie affective, émotionnelle. Voilà. Le sens de la monogamie a complètement changé. Avant, c'était une imposition sur la femme. Aujourd'hui, c'est vu comme la déclaration d'amour parfaite. De tout le monde, d'ailleurs. Il y a rien de naturel là-dedans. Mais ça fait partie du système dans lequel on est. C'est simple, quoi. Bienvenue tout le monde. On est ravis de vous avoir avec nous avec Esther. On est 66 à écouter et être avec nous. Merci de rester avec nous pour parler de la sortie de Je t'aime, je te trompe. Le livre d'Esther Perel qui sort demain en France. Ouais, un peu de cœur là. Alors, tu veux prendre une autre question, Esther? Pensez-vous que la thérapie du couple soit toujours nécessaire après avoir découvert une infidélité? Comment être créatif pour amener... entendre... Ok. Alors, écoutez, la thérapie, elle est... non, c'est pas toujours nécessaire... indispensable. Je pense que, par exemple, je fais un webinaire dans quelques semaines, j'en ai déjà fait un, des trois phases de réparation, de reconstruction d'un couple après une découverte. Et je le fais en webinaire, je le fais online avec des centaines de gens du monde entier. J'appelle pas ça de la thérapie, mais le fait que les gens se retrouvent, qu'ils se retrouvent avec d'autres et qui ont traversé la même crise et qui veulent redéfinir et reconstruire leur couple ou pas, est un processus thérapeutique. Sans être de la thérapie qui peut aider énormément. Mais je pense que il faut un espace sûr, un espace sauf, sain, sécurisant, dans lequel on peut discuter de beaucoup de choses qui sont parfois très difficiles, de trahison, de mensonge, de déception, de rejet, d'abandon, d'argent gaspillé. Enfin, il y a beaucoup de choses très difficiles qui parfois ressortent de manque de sexualité, de manque de désir, de négligence dans le couple, d'indifférence, de violence, enfin plein de trucs. Et je pense que quand on parle de tout ça, être dans le cabinet de quelqu'un qui peut structurer et calmer et rassurer peut apporter énormément. Mais il faut un bon thérapeute de couple qui travaille ce sujet. Oui, je pense que ça peut beaucoup aider. Le podcast, par exemple, Where Should We Begin, j'ai plusieurs séances qui font partie de ce sujet-là. Et je sais que pour des millions de gens, parce qu'il a été écouté par 5 millions de personnes, écouter ces séances était presque thérapeutique aussi pour eux, quoi. D'entendre 5 autres ou 6, 7 autres histoires de personnes qui ont vécu cette crise et comment ils la gèrent, comment ils la traversent, comment ils se retrouvent, de toutes les conversations qui doivent avoir lieu, dont ils n'ont jamais parlé. Donc il y a différentes manières de se le faire aider dans ce moment difficile et pénible. Qui peut être thérapeutique sans que ce soit nécessairement une thérapie. Mais il faut pas hésiter non plus. Il y en avait une que j'aimais beaucoup avant ici. Où est-ce qu'elle est passée? Pourquoi cherche-t-on la fidélité et est-on si malheureux quand on la perd? Parce que je crois. Pourquoi est-ce qu'on cherche la... Ouais. Mais je crois que dans fidélité, il y a je compte pour toi. J'ai un sens. Je suis important. Il y a un arrangement qu'on a, un accord qu'on a, que tu ne feras pas quelque chose qui est en ton intérêt et qui serait contraire à moi. En fait, c'est ça. C'est que tu ne vas pas mettre en avant tes besoins. Qui ont des conséquences tellement destructrices pour nous, pour notre couple et pour moi. Et quand tu es infidèle, quelque part, tu dis que toi et tes besoins étaient plus importants que les miens.
Maintenant, ça ne veut pas dire que dans notre couple, je n'ai pas fait exactement la même chose. Et que peut-être moi, dans le couple, j'ai mis mes besoins au devant des tiens et au devant de celui du couple. Et que, tu sais, et en fait, ce que je dis souvent, c'est que la trahison n'est pas uniquement dans l'infidélité. Elle est la trahison, l'abandon, le rejet, la négligence, qu'elle a souvent lieu dans d'autres situations aussi qui ne sont pas liées uniquement à l'infidélité. Attends, je dois juste bouger. Qui ne sont pas liées uniquement à l'infidélité. Et ça, c'est là où quand on découvre une infidélité, on recommence en fait toute une conversation sur le couple aussi, qui on a été, qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on s'est laissé aller, où est-ce qu'on a été négligent l'un par rapport à l'autre, où est-ce que je t'ai rejeté sexuellement pendant des années et je suis en colère et en rage du fait que tu as été chercher ton bonheur ailleurs, mais en fait je ne prends pas nécessairement la responsabilité pour le bonheur que je t'ai nié. Donc il y a énormément de choses qui reviennent là. C'est pas uniquement une question d'opportunisme. Parfois ça c'est ça aussi. Et alors, ça fait encore plus mal, parce que pour une passade, tu as risqué tout notre couple, tu ne t'es pas protégé, t'as même pas mis une capote, t'as pensé à rien, t'as pas pensé à nous, tu as mis ma vie en danger. Dans le podcast, j'ai une femme qui va chez son gynéco pour se rendre compte qu'elle a le chlamydia, qu'elle a une maladie vénérienne, je veux dire, parce qu'il est allé faire des massages avec finition, je veux dire. Et elle se dit, mais t'as pas pensé à moi. Bon, ça c'est, et les exemples sont entre deux femmes, deux hommes, des couples transsexuels. Je veux dire, c'est pas du tout une histoire uniquement de hommes et femmes dans le système traditionnel, quoi. Quel est le meilleur conseil qu'on vous a donné? Mais je pense que je dirais que le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est de ne pas toujours simplifier les choses juste parce que ça m'arrange et de faire l'effort de voir les nuances, les ambiguïtés, les complexités. C'est facile d'avoir raison, mais c'est facile d'avoir raison et d'être seul. Mais c'est pas raison en présence de l'autre. C'est-à-dire que parfois je dis aux gens, tu as le choix, tu peux être en couple ou bien tu peux avoir raison, mais quand tu auras raison, tu seras avec ta vérité à toi. On m'a donné plein de bons conseils. Ne laisse pas ton couple se dessécher. Un couple, il faut l'investir comme une plante, comme un projet. On l'investit avec créativité, avec jeu, avec attention, avec sensibilité, avec souci. Beaucoup de gens donnent le meilleur d'eux-mêmes partout, ailleurs, chez leurs amis, dans leur travail, dans leur projet créatif, et ils ramènent les restants chez eux à la maison. Ils ramènent vraiment le reste et ils pensent qu'avec ça ils vont des miettes. Et donc beaucoup de bons conseils qu'on m'a donné que je fais passer aux autres en fait. Le meilleur conseil qu'on m'a donné par rapport à l'infidélité, c'est que en fait moi j'ai pas vraiment écrit un livre sur l'infidélité. Oui, j'ai pris le sujet de l'infidélité pour étudier le couple d'aujourd'hui, pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde relationnel. L'amitié n'a pas tellement changé, la relation entre frères et sœurs n'a pas tellement changé. Il y a une unité qui s'est fondamentalement transformée et c'est le couple. On attend tellement du couple aujourd'hui. Au nom de l'amour, on fait plein de choses qu'on n'a jamais fait avant dans le contexte du couple. Et au nom de l'amour, on se sépare plus qu'avant. Et le couple est investi d'attentes parfois insurmontables, exagérées. Une personne qui doit donner ce qu'avant nous donnait tout un village, en fait. Et puis donc, quand le couple se casse, mais c'est une chute, c'est une crise énorme. Et comment aider les gens à gérer cette crise en décidant s'ils veulent rester ensemble ou pas? Il y a des infidélités qui détruisent un couple et qui le tuent à jamais, un couple qui était déjà en train d'agoniser avant, ou qui c'est insurmontable, et il y a des infidélités qui donne un coup de fouet et un système d'alarme à un couple qui se remet en question et qui se redéfinit et qui se retrouve pour devenir un nouveau couple comme il n'aurait pas pu le faire avant. Et malheureusement, il est vrai que parfois ce coup de fouet, je n'ai pas encore vu beaucoup d'autres fouets aussi efficaces que l'infidélité. Autant que ça fait mal, ça fait bouger.
Et c'est les deux. Donc, il y a des infidélités qui brisent tout et il y a des infidélités qui vraiment donnent un élan, un nouvel élan et une nouvelle honnêteté. Des gens qui se mettent à parler avec une honnêteté et une ouverture qu'ils n'ont jamais connue avant. Ça, c'est magnifique, quel espoir. Franchement. Est-ce qu'il y a encore des questions que je n'ai pas encore. Le libertinage, le partage peut être la solution à long terme. Pour beaucoup de personnes, c'est un nouveau modèle. Je veux dire, c'est clair. Mais je n'appellerai pas ça juste le libertinage. Je pense que la négociation des règles et des frontières fait partie de tout couple aujourd'hui. Ouais. À partir du moment où, quand on est en couple, c'est pour ne pas être avec ceux avec lesquels on a été avant, ou pour continuer à être avec ceux avec lesquels on a été avant, que ce soit de manière sexuelle uniquement ou de manière polyamoureuse, on se retrouve aujourd'hui dans une négociation permanente de définition du couple. Le couple n'est plus défini par la communauté. C'est nous-mêmes qui définissons le type de couple dans lequel on va être. Et tout le projet de vie aujourd'hui est un projet d'autodéfinition. Avant, tout ça a été établi. Tout le monde savait. Les parents savaient ce qu'ils devaient dire aux enfants. Les enfants savaient ce qu'il fallait pas dire aux parents. Marie savait ce qu'il devait dire à sa femme. La femme savait ce qu'elle devait pas répondre à son mari. Les couples gays, c'était interdit. Les règles étaient particulièrement claires. Et aujourd'hui, tout est négocié. Qui va se lever demain matin, c'est une négociation. Qui va être celui qui va travailler, c'est une négociation. Combien de patients, de partenaires est-ce que je veux avoir? De quel genre seront mes partenaires? Est-ce que je les veux en même temps? Dans quelle structure relationnelle je les cherche? On a une liberté qu'on n'a jamais connue. Quel choix. Avec une incertitude, oui, mais aussi un degré d'incertitude et de doute de soi comme on n'a jamais connu non plus. Les deux vont ensemble. Oui, ça ressemble un peu les sociétés d'aujourd'hui. Alors, on a eu 71 personnes maintenant. Je voulais juste citer quelques. On a Jean-Marie Jankowski au Brésil. Sean Middleton, je crois qu'il regarde de l'Angleterre. Minter Dial, je crois, est à Paris. Qui d'autre qui est là? Bienvenue Sylvia Rivas, Hervé Guéry. Brittany Amand qui est à Paris, Janica Bassis qui est à Paris, je pense, Julieta Pereira, bienvenue, Amina Boudra, bienvenue, Guillaume Robert qui est à Paris. Bienvenue tout le monde, on est avec Esther Perel, on est en train de parler de l'infidélité avec la sortie de son bouquin. Demain, à Paris, yay! Alors, dis-moi, David, je vais vite faire une petite traduction ici sur la jalousie, hein, pour Adrian. Adrian, okay. I have a whole chapter on jealousy in the book, The State of Affairs. It is one of the best chapters, actually, of the book, where I describe it as an erotic rage, where I describe it as a feeling that is actually intrinsic to love. It is universal. It is evolutionary. It has existed in every society, for men, for women, differently. And I think that you will find a lot by reading that chapter itself. But what I wanted to say is that it is a feeling that doesn't have to be eradicated. It is a feeling that we learn to manage and to live with, because it is intrinsic. For some people, it can be debilitating, and then it's really problematic. But for other people, it actually keeps them on their toes. It lets them know that their partner doesn't belong to them, that they have to be attentive, that they can't just take it for granted, that other people are there around that could also have a gaze and an erotic gaze onto your partner. That's what I was trying to explain. And for the people who wanted to know about the podcast, Where Should We Begin is on iTunes. It's two seasons that are out now. It's 20 episodes of live couples therapy sessions in my office that are unscripted and anonymous. They are not my patients. There are thousands of people who have applied to be on the podcast. I highly suggest you go and discover it. I mean, it's never been done. It's basically that. Ça n'a jamais été fait. Awesome. Est-ce que vous pouvez donner des conseils au sujet des questions pour des sujets ou questions qu'un couple devrait affronter avant de construire une vie ensemble? Alors, j'ai sur mon site
un truc qui s'appelle The Intimacy Inventory. C'est un questionnaire. Je pense que ce sont les 10-15 questions les plus importantes qu'on doit se poser quand on est un couple, quand on devient un couple, quand on définit génial. Son couple. Et c'est pour moi, j'ai fait une sélection en fait de quelles sont au bout du compte les questions et les conversations clés qu'on doit avoir quand on se définit et quand on veut construire une vie ensemble. Mais je dirais une chose à Larissa. La grande différence pour moi, c'est qu'il y a des histoires d'amour et il y a des histoires de vie. Un projet d'amour et un projet de vie, ce n'est pas nécessairement la même chose. Ça veut dire qu'il y a de l'amour dans un projet de vie, mais on peut avoir plein de relations amoureuses magnifiques avec des gens avec lesquels on ne voudrait jamais vivre. C'est pas la même chose. On est plus dans les émotions, on est dans une histoire, on est dans une utopie. L'amour peut se vivre dans une utopie. Un projet se vit dans la réalité. Et pour la réalité, on a aussi des questions de valeur, d'intérêt, de vision de vie, de but en commun, de complicité. Et tout ça aussi doit se rejoindre dans un projet de vie qui n'est pas nécessaire dans un projet d'amour ou dans une histoire d'amour. Ah, c'est une magnifique nuance, ça. C'est tellement vrai. Alors, il y en a une longue ici. Aujourd'hui, avec les apps qui peuvent donner l'impression d'avoir tellement de choix, c'est encore plus difficile de fixer ou même de commencer une relation sans devenir quelque chose de style fast. Plus on se connecte, plus on s'éloigne. Comment on peut gérer ça et réussir à vivre des connexions genuines? Julieta, une très, très, très belle question. Les apps ont vraiment à la fois donné un éventail de possibilités et de choix qu'on n'avait jamais au village quand on devait choisir entre 3 personnes ou à la fac quand on a, ou ailleurs quand on avait au travail 10 ou 15 personnes. Et en même temps, les apps nous laissent avec un sentiment d'incertitude et de doute et de FOMO, une vraie tyrannie, quoi. Alors moi, je propose en général de prendre contact par l'app et puis de quitter aussi vite que possible et de rencontrer les gens en personne. Toutes les recherches nous disent que l'essentiel, c'est la rencontre face à face. Il faut regarder les gens dans les yeux, il faut avoir une expérience tridimensionnelle et pas un truc bidimensionnel, flat, par le digital qui se porte à distorsion, à incompréhension, à malinterprétation, tout ça et tout ça. Et puis en plus, en général, les gens se parlent d'une façon souvent lamentable sur les apps. Ça manque de poésie, ça manque de littérature, c'est vraiment pauvre, quoi. Donc, c'est comme un bouchon en plastique, quoi. Il faut profiter de l'app pour se rencontrer. Et puis ensuite, il faut au plus vite possible avoir des expériences avec la personne. Aller prendre un verre avec d'autres amis ensemble pour que vous voyez cette personne dans un contexte social. Faut pas aller se mettre tout seul dans un restaurant uniquement et se parler en face d'une table. Faut aller faire une activité ou si on fait du vélo et qu'il y a un pneu qui crève, on saura comment la personne réagit quand il y a un pépin. Il faut se mettre en situation. Il faut pas se mettre dans un truc bien contrôlé comme ça. Et il faut trouver les apps aussi où on est plus certain que les gens qui vont sur ces apps veulent rencontrer quelqu'un plutôt que d'aller sur une app pour avoir des passades. Ce sont des apps différentes. Le sexe récréatif, c'est une bonne chose. Si vous vous dites, moi, je vais sur l'app parce que je voudrais rencontrer quelqu'un, il y a des apps qui se portent mieux à ça que d'autres. Moi, dans les 2 jours qui suivent, j'ai une rencontre avec le fondateur de Tinder et avec les fondateurs de Bumble. Donc, je vais passer beaucoup de temps avec les gens des apps. D'ailleurs, je rencontre Bumble cet après-midi. J'en saurai plus. Quelles sont les choses qui mènent à réussir une relation? Mais il est absolument clair que vu que le cœur des relations aujourd'hui, c'est la conversation, puisque les règles ne sont plus établies, il faut vraiment être d'excellents communicateurs aujourd'hui pour avoir un bon couple. Chose qu'on n'avait pas besoin il y a 50 ans de la même façon. Et pour être un excellent communicateur, il faut surtout être quelqu'un qui sait écouter. C'est pas seulement quelqu'un qui sait parler, c'est quelqu'un qui sait écouter. Il faut avoir des valeurs communes. Il faut
donner de l'espace à l'autre. Alors, il y a des couples qui sont très, très bons et qui sont comme ça, qui ont un Venn diagramme où presque tout est partagé, tout est vécu en commun. C'est un couple qui est plus fusionnel. Et puis, il y a des couples qui sont comme ça. Et ça, c'est un couple où il y a moins d'espace commun et plus d'espace individuel et qui sont des couples plus différenciés, plus dans l'individualité. Les deux peuvent être tout aussi bons et tout aussi réussis. Il n'y a pas un modèle. C'est pas le modèle qui définit la qualité du couple. C'est la capacité du couple à gérer la différence, le conflit, l'individualité de l'autre, l'intimité, l'engagement, l'admiration pour l'autre, et de gérer cet espace entre ce qui est ensemble et ce qui est personnel, ce qui est commun et ce qui est personnel. Ce sont les dimensions qu'il faut gérer, mais la manière dont on les gère, si on arrive à ce modèle-là ou à ce modèle-là, il y a beaucoup de modèles différents qui peuvent être des bons modèles pour un couple qui réussit. Et ça, je crois que c'est très, très important à se dire. C'est pas dans le modèle que se trouve la réussite. C'est dans la manière dont les gens gèrent le modèle qu'ils ont choisi. Non, j'aime beaucoup ça parce qu'on a tous nos vies, on a tous nos désirs, on a tous nos manières de se rentrer en amour, en couple, etc. Il n'y a pas une formule aujourd'hui qui prône plus que notre. C'est à chacun de trouver les siennes. En revanche, d'être dans la communication, dans la connexion, dans l'écoute, vraiment être dans un couple qui fonctionne bien, qui marche bien. C'est ça qui compte vraiment au fond pour construire une vie si vous cherchez ce genre d'aventure. Je prends la question de Ivana ici, parce que je crois qu'on arrive, parce que selon votre expérience de thérapeute, quelle est la durée moyenne de la période de reconstruction après une infidélité? Il me semble que les traces que cela laisse durent longtemps, même quand le couple parvient à rebondir. Écoute, Ivana, pour commencer vraiment, le webinaire que je vais faire dans quelques semaines, là où je l'en ai déjà fait un, où j'ai parlé des trois phases de reconstruction. Je crois que si vous êtes en train de vivre cette expérience vous-même, que ça vaut vraiment la peine de vous joindre. Et même déjà, je le dis à tous, c'est d'aller voir sur mon site, que ce soit le inventory, les questions, pour ceux qui veulent avoir une relation, ou que ce soit pour ceux qui sont en train de traverser la crise de l'infidélité. Mais la durée, je dirais que c'est en moyenne 2 ans. Pour vraiment bien, pour ceux qui veulent reconstruire, souvent ça prend jusqu'à 2 ans. Ça veut pas dire que on est 2 ans dans la crise où on est dans l'obsession complète et on en pense tout le temps, il y en a constamment des images et on veut en parler, revenir là-dessus et encore une fois revoir et corriger. Mais 2 ans pour vraiment sentir qu'on a créé quelque chose de mieux aussi. C'est pas uniquement pour revenir à là où on était. Le but n'est pas de revenir nécessairement au couple qu'on avait, mais de prendre de cette crise et de dire, ben, il y a des choses qu'on peut maintenant changer. Une fois que le contrat a été brisé, tout peut être redéfini. Moi, je dis souvent, aujourd'hui, tout le monde va avoir 2 ou 3 relations d'adultes, de couple dans sa vie. Et certains vont le faire avec la même personne. Donc, votre première relation, après cette infidélité, elle est probablement finie. Ce couple-là, il n'existe plus. Alors, la question, c'est est-ce que vous voulez devenir un nouveau couple ensemble et quel couple est-ce que vous voulez être? C'est ça le travail. C'est pas uniquement pardonner et avoir confiance que ça ne va pas se reproduire, etc. Ça peut ne pas se reproduire pendant que 2 personnes étouffent ensemble. Et alors? Le but n'est pas uniquement que ça ne se reproduise pas. Le but, c'est qu'il y ait un couple qui soit vivant, qui vibre, qui est dans l'entente, qui est dans l'harmonie, qui est dans le bonheur, dans la compréhension. C'est vers ça qu'on va. Ça, c'est la réparation. La réparation, elle n'est pas uniquement que l'autre est sur surveillance et qu'à partir de maintenant, on a accès à tous les codes de téléphone et d'ordinateur. Ce n'est pas là où se retrouve la confiance. La confiance, c'est que je sais que tu veux, toi, comme moi, faire que notre couple soit le meilleur qu'il puisse être et que tu es dedans avec moi, que tu es dans ce projet-là et que tu as repris ton rôle dans le projet du couple. Magnifique. Alors, Esther, on arrive à 1 heure de conversation. Mm-hmm. Combien de temps tu nous donnes là avant qu'on passe pour te laisser 3 minutes? Alors, peut-être on va parler de ton passage à Paris la semaine prochaine. D'accord. Est-ce que tu veux raconter s'il y a des gens qui voudraient éventuellement te voir en live?
format conférence. Tu as quelque chose à partager avec nous aujourd'hui? Alors, allez voir sur le site. Tu as le lien aussi, David, de My Little Paris? Je le lien. Est-ce que tu vais te l'envoyer. Je vais te l'envoyer. Très bientôt, on pourra raconter ce que c'est. On va le mettre. Hein. Attends, je l'ai ici. Je vais le prendre tout de suite. Super. My Little Paris, au théâtre des Mathurins, voilà, ici. Anne-Sophie, voilà. Déjà, la date. Je te l'envoie maintenant, David. Je te l'envoie à l'instant. C'est le 12 au théâtre des Mathurins. Alors, le 12 avril, le soir, tu viens donner une conférence, c'est ça? Oui, c'est. Voilà, je te l'ai envoyé. 12 avril, jeudi, théâtre des Mathurins. C'est le 12 à. Au théâtre des Mathurins à 18h30. On va juste mettre une petite chose là-dedans pour l'instant. Donc, c'est le 12 avril, jeudi prochain, théâtre des Mathurins. Esther en live, en conférence, sponsorisé, produit cet événement par My Little Paris. Et donc, attends, je t'envoie le lien. Des infos, on va mettre le lien en dessous. Ceux qui s'intéressent, je pense qu'il y aura de place pour des centaines de personnes. Si... Il y a 400 places. Il y a 400 places, mais ça va aller vite. Ça va aller très vite. Déjà 75 personnes qui écoutent ici. Passez le message si vous aimez ce que vous entendez, si vous aimez Esther Perel. Je voulais aussi demander, est-ce que c'est quoi la meilleure manière à trouver toi et aussi ton livre qui sort demain, le livre « Je t'aime, je te trompe » par Robert Laffont, sort demain. Vous pouvez déjà l'acheter ce soir, je crois, en ligne. Peut-être on va mettre quelques liens en dessous pour que vous puissiez avoir accès à ça aussi. Et puis, si vous voulez, si vous êtes à Paris la semaine prochaine, vous pouvez venir assister en live avec Esther pour une conférence certainement inoubliable. Tu as reçu le lien? Il est arrivé? Tu me l'as envoyé comment? Maintenant, par email. Par email. Parce que je ne sais pas si je peux t'envoyer un... C'est bon, je vais regarder. Si vous nous donnez juste une minute, tout le monde, on arrive. Ah, voilà, donc. Alors, c'est le Wiz Event, c'est ça? Mm-hmm. OK. Donc, voilà, on va vous mettre ça dans le commentaire. Je vais mettre ça... C'est une bonne question. Alors, on va vous mettre ça. Vous pouvez tout de suite prendre votre place si vous voulez. Voilà, je l'ai mis dans le commentaire. C'est une Wiz Event conférence d'Esther. Vous pouvez le voir, le rencontrer en live la semaine prochaine à Paris. C'est peut-être pas encore ouvert pour la billetterie. Je pense qu'ils vont l'ouvrir à partir du moment où le livre sort. Alors, vous pouvez trouver tout le livre dans toutes les librairies, sur toute la France, Belgique, Suisse, en Amérique, aux librairies françaises. Sinon, le livre en anglais, State of Affairs. Vous pouvez trouver tout ce que vous voulez pour Esther Perel sur le site. Surtout ma plateforme de formation pour tous les. Je sais que tu as beaucoup de coachs dans ta communauté, donc j'ai toute une plateforme de training pour coachs qui s'appelle Sessions with Esther Perel. Petit problème de connexion avec Esther. Je ne sais pas si on va la récupérer ici. Vous avez les infos en dessous si on n'arrive pas à récupérer Esther. Merci beaucoup d'être passé. Esther, je ne sais pas si tu m'entends. Tu es parti. Peut-être tu vas revenir. On va voir. Donc, pour résumer encore, la semaine prochaine, le 12 avril, jeudi, soir à 18h30, au Théâtre des Mathurins, Esther Perel sera live en conférence et vous pouvez venir l'écouter, avoir une expérience avec elle, avec 400 personnes. C'est quelque chose d'assez exceptionnel de voir Esther en conférence. Pas seulement elle a un sujet qui est passionnant, qui nous concerne tous d'une année ou d'une autre,
mais elle est un conférencier vraiment hors pair. Donc, je vous conseille vivement d'aller voir cette expérience. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Je regrette que Esther n'est pas là. J'attends. Je suis là. Je pense que c'est coupé. Ah, on ne te voit pas, Esther. On ne te voit pas. On ne te voit pas. On ne te voit pas et on ne t'entend pas. Hop, ça y est. Je pense qu'elle revient. Esther, ah, excusez-nous tout le monde, on est en train de voir comment ça se passe avec BeLive TV. Toi, on ne t'entend pas. Ah, ben voilà. Hop, hop, ça y est, elle est partie. Elle était avec nous, elle est repartie. Si vous restez avec nous, on va essayer de voir si elle arrive à revenir pour dire au revoir. Merci encore tous et toutes d'avoir partagé ce moment vraiment sympathique et très, très instructif sur nos relations amoureuses, mais aussi nos relations avec nous-mêmes, notre responsabilité dans cette histoire. C'est un sujet qui est bien sûr super fascinant, super complexe. Alors, donc, on va juste finir par vous donner le site web du Esther que je vais donner ici. Vous trouverez tout là-dessus. Et bien sûr, vous pouvez le trouver en ligne. Je vois Esther. Est-ce que tu es là, Esther? Je te vois, Esther, mais je t'entends pas. Alors, et vous avez tous le lien au-dessus, en dessous, pour venir, si vous voulez, la semaine prochaine, jeudi, le 12 avril, pour voir Esther Perel live à Paris à 18h30. Donc, j'espère de vous voir là-bas avec elle. Et je vais voir si elle revient. Mais en tout cas, vous avez son site web ici sur le podcast à la fin. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vivez bien et je vous embrasse tous. Et essayez de lire le bouquin d'Esther, c'est vraiment super. À bientôt et merci encore d'avoir passé ce temps avec nous. Ciao, ciao.